Un seul compte WhatsApp sur deux appareils différents sans utiliser un site web ni une application tierce. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors pour info, nous sommes la première chaîne à montrer cette astuce dans le YouTube game francophone. Du coup, mettez un like pour encourager. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce vraiment incroyable qui va vous permettre d'utiliser un seul compte WhatsApp sur plusieurs appareils différents sans utiliser un site web ni une application tierce. Nous aurons juste besoin de l'application WhatsApp en plus de quelques manipulations. Donc, restez bien attentifs pour bien comprendre l'astuce. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, vous voulez que le même compte WhatsApp qui se trouve sur cet appareil se trouve également sur le deuxième appareil, juste à côté. Pour ce faire, vous laissez ce téléphone de côté, puis vous prenez le deuxième téléphone. Maintenant ici, vous vous assurez que le WhatsApp qui se trouve sur ce téléphone soit mis à jour. Donc, vous allez dans Play Store pour vérifier la mise à jour. Alors ici, l'application est déjà à jour, donc vous cliquez sur « Ouvrir ». Et vous appuyez accepter et continuer. Maintenant ici, au lieu de mettre le numéro de téléphone, vous ne mettez rien, puis vous cliquez sur les trois points en haut. Ensuite, vous aurez deux options, mais il se peut que certains n'ont pas ces deux options. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas car je vais vous montrer juste après comment faire pour que ces deux options apparaissent également chez vous. Vous appuyez sur connecter un appareil et automatiquement WhatsApp va vous générer un code QR et une fois le code est affiché, vous prenez le deuxième téléphone, ensuite vous appuyez sur les trois points en haut, puis sur appareil connecté et maintenant vous appuyez connecter un appareil. Ensuite vous scannez le code QR affiché sur l'autre appareil. Donc une fois scanné, vous patientez quelques secondes le temps que la connexion s'établit sur les deux téléphones. Et voilà, c'est fait. Donc vous avez le même compte WhatsApp sur les deux téléphones différents. Et à présent, lorsque l'un des téléphones se décharge, vous pouvez continuer de discuter sur le deuxième téléphone. Alors pour ceux qui n'ont pas ces deux options, il suffit de faire quelques manipulations très simples dans les paramètres de votre téléphone qui consiste à faire croire à WhatsApp que vous utilisez une tablette. Donc pour ce faire, je vous mets un lien vers la manipulation en description. Donc si vous avez aimé l'idée, mettez-moi des likes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.